Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Elite Dangerous. Hop, il faudra que je pense à baisser le son de tout ça. Malheureusement, j'ai complètement oublié plein de choses aujourd'hui, chers amis, désolé. Donc on reprend toujours dans le système Scotty, on repart à la bataille. Et on se fait déjà violenter par celui que je crois être celui-ci. Oui. Qui est un piton. Oui. Un piton peut-être un petit peu trop fort. Mais bon, c'est pas grave, c'est un bon début d'épisode en soi. Hop. On arrive à garder le rythme et à rester derrière lui. Ça pourrait bien se passer. Alors je vous rappelle que je suis censé être plus agile que lui. Hop. Hop. Un petit peu d'accélération quand même. Oula. Voilà. Envoie autant de paillettes que tu veux. Hop. Mince, non, je me trompe de bouton en fait. Allez, redresse. Pourquoi il est aussi haut le... Allez, c'est parti. Allez, allez, redresse-toi. On est dans son cul. On est plutôt bon. Le seul souci, c'est qu'on se fait attaquer par beaucoup plus que le piton. D'autres choses qui nous attaquent. C'est vraiment le gros souci. Peut-être même deux pitons qui nous attaquent. On va devoir faire la fuite. Hop. Mes boucliers sont inactifs. Hop. Je prends des jets, c'est pas grave. Le piton nous colle au cul, mais c'est pas grave non plus. Pleine puissance dans les systèmes. Il va vraiment falloir qu'on pense à passer au Vulture, chers amis, parce que ça commence à me gonfler cette histoire de on n'a pas ce qu'il faut, là où il faut. Non, non, certainement les amis, il faudra qu'on passe à mieux, à au-dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, il a boosté à l'arrière. À mon tour. Ok, niveau bouclier, on va être bon. Comme vous pouvez le voir, je suis suivi par directement deux trucs. Oh la vache, ils sont même très nombreux.
sont trop nombreux. Trop nombreux, chers amis. Il faut qu'on revienne vers le... vers le truc de base. Essayer d'égaliser. Ça va pas être simple. Allons-y. 23 km qu'on avait fait, la vache. Et un saut nous donne à peine quelques kilomètres. Ok, c'est violent. Donc ils ont une portée de 3,5 km. Hein. Ça faudra le retenir. Quand même pris extrêmement, extrêmement, extrêmement cher. Wouhou! Bon, normalement, le temps qu'il me rattrape, on devrait être tranquille. On devrait être tranquille. Allez. Oh putain, mais vous êtes sérieux? Mais putain! T'es quoi, toi? Un cobra, tiens. Comment s'attaquer au cobra? Mais c'est un allié! Mais non! Under attack. Regardez ça, il y en a que des cobras et des pitons en face. Des anacondas, pardon, des anacondas et des pitons. Coursier impérial, tiens, peut-être que je peux me le faire. Hop. Hop, c'est niveau température que j'ai des problèmes maintenant, voilà autre chose. Ouf, je me suis fait toucher par un truc. Je me suis fait tirer dessus par un truc, chers amis, c'était violent. C'était extrêmement violent. Bon, 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 mes petites fesses. Il va être l'heure de s'enfuir, hein. Allez, allez, on s'en va. Allez. Bon, bon, on s'est fait défoncer, chers amis. Est-ce qu'il faut viser le faible intensité? Est-ce que l'intensité, c'est pas le niveau du nombre, mais plutôt au niveau de la puissance, peut-être, ça se trouve, c'est ça. Hein. Tout simplement. Bon, alors on n'a pas fait un pet de couille de crédit sur cet épisode, c'est... ça pue du cul. Ça pue du cul, ça pue violemment du cul. En même temps, il n'y a que des super gros vaisseaux. Alors ça se trouve, les faibles intensités en fait sont simplement avec des vaisseaux moins badass. Peut-être ça qu'il va falloir qu'on vise, chers amis. Je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et je reste planté là, j'ai failli me faire planter là surtout. Enfin bon. C'est quand même bien fait défoncer. Il va vraiment falloir qu'on pense à passer vraiment aux choses sérieuses au niveau du Vulture. Enfin bon. Juste pour rigoler, chers amis, les modules. Qu'est-ce qui a été le plus touché? Rien. Donc je pense que j'ai dû prendre un tir de canon de quelque chose de balèze. C'était vraiment, 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 vraiment violent. Bon, bon, bon. Sinon, chers amis, je peux vous annoncer que les lives arriveront normalement début août. Que normalement aussi, début août, il va y avoir du arc. Je pense. Hein. En tout cas, j'entends parler de beaucoup d'optimisation qui est réalisée. Du coup, je me permets d'avancer que début août devrait y avoir du arc. On verra bien le moment venu.
Hop, Babakin Duck. Je sais pas trop ce que j'ai fait au niveau d'Elite Dangerous, qui fonctionne assez bien, mais bon, je peux comprendre que qu'on arrive en, entre guillemets en butée, vu qu'il se passe plus rien du tout. Faudra vraiment que je trouve un moyen de me faire du crédit très rapidement sans aucun souci, et je pense que le seul moyen que j'ai, c'est de passer directement en Vulture et de l'équiper avec des bons lasers. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y aurait que moi, chers amis, je passerai directement, vous savez, au canon, je sais plus comment ça s'appelle, le canon, pas le canon plasma, mais en gros c'est ça quoi. L'accélérateur à plasma, ça doit être ça en plus. Hop. Hop, tout doucement. Est-ce qu'on peut se faire réparer ici? J'ai un doute. Je crois que c'est pas la première fois que je me fais avoir, chers amis. Entrée dans le hangar, service de spatioport. J'ai un doute. Et oui, on peut se faire réparer. Parfait. 387 crédits seulement, d'accord. Ah, c'est peut-être au niveau de... Non, pourtant. Intégrité du vaisseau, c'est bon. Bon. Bon, bon, bon. Juste pour voir, est-ce qu'ils ont des accélérateurs à plasma par ici? Comme ça, en passant, si je peux me permettre de parler ainsi. Alors. Ah, j'ai peut-être pas la taille de point d'emport qu'il faut. Type de module, laser minier, canon électrique, c'est quoi ça? Oh. Canon électrique. Peut-être ça hein, que je cherche. Je sais pas. Dégâts plus grands, cadence de tir plus petite, dégâts par seconde, d'accord. Oui, je serais curieux de savoir si c'est ça que je cherche. Bah écoutez, n'hésitez pas à commenter à ce sujet dans les commentaires, chers amis. Quant à moi, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Peut-être que des contre-mesures, ça pourrait être sympa. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Ou au moins des commandes... Oh, si, des... Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens!